Oui, nous sommes très contents d'arriver deuxième parce que en fait, ça nous permet de consolider notre troisième place au général. Donc notre objectif a été atteint parce qu'on a remisé le podium et c'est chose faite. Même si on avait aussi à cœur de remporter ce tour, mais on ne voulait pas descendre plus bas que la troisième place. On n'a pas gagné, mais ça a été un beau tour. On a tout donné, quand ça ne peut pas marcher, ça ne marche pas, mais bon. Le seul regret qu'on peut avoir, c'est que au Diamant, on n'a pas saisi notre chance. Et à Fort-de-France, on a perdu beaucoup de temps. Mais sinon, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Ils étaient beaucoup plus forts au UFR. La journée d'aujourd'hui, on va dire que c'est une journée positive. Là, maintenant, on parle de Trinité, on arrive au Aubert, un grand vainqueur qui est UFR Champflore. On rate le podium, nous, Digicel, on se termine quatrième. Mais bon, après, on a eu telle jeunesse après nous. Ils ont bien manœuvré durant toute la semaine. Je les félicite grandement. On finit troisième de l'étape. Donc, très belle course pour nous. On arrive au Robert chez nous. Donc, on rentre bien et voilà, on finit en beauté ce tour. C'est un bon tour. Hein. Donc, après, c'est comme c'est la première fois, donc il y a peut-être des petits trucs à régler. Mais bon, d'ici deux, trois fois, ça sera bien huilé et on va bien avancer. Donc, je pense qu'on peut refaire un tour de ce sens-là. Et puis, pourquoi pas prendre beaucoup de plaisir et puis voir les appétits, j'aimerais pas le dire, en portant un tour. L'année prochaine, je pense que on sera beaucoup plus fort, on sera meilleur. Quoi. Mais vous savez, pour l'équipage Cotterelle GFA, c'est notre troisième tour. Donc voilà, on gravit les échelons petit à petit et on va encore travailler pour viser le haut du tableau.